en avait deux derrière, la plus petite Capri. Un pas à Batsu. Ça reste un beau poisson. Hein. Il y avait deux qui se disputaient, c'est la plus petite des deux qui l'a pris. Excellent. Dommage, mais excellent quand même. Oh, l'eau est plutôt chaude, je trouve. Hein. Pour la période. C'est plus grosse celle que j'ai pu faire à bordure là-bas. Et ouais, je m'aime pas des prises en exactitude. Trop de bordel. Mais je ne pas te faire de mal, c'est ça le problème. Toi, tu vois ta vie défiler devant toi. Belle truite, hein. Allez, on va essayer de faire plus gros. Je regardais pas. Oh, belle! Prends tes calques encore. Non, je peux pas poser un genou là, je m'en fous de partout. Allez, ma petite! Contente. Hein. Ah oui, il ne fallait pas le manger ce poisson nageur. Putain, l'eau elle est chaude. Hein. Impressionnant. Ah oui, ça approche les 33 plus ça. Voilà. Avec un peu plus de lumière, ça serait mieux. Très beau poissonné là, 30 et quelques, ça, hein, sans problème. Je suis surpris de la température de la flotte. Oh, c'est bordure. Hein. Autant. Ici, elles n'ont rien à foutre. Ah, oula! Une belle, hein. Elle est plus grosse que l'autre encore, que j'ai fait tout à l'heure. À la couillère, non pareil. Elle m'a fait un beau saut, puis elle est plus nerveuse. Plaisir, trois beaux poissons ce soir. Elle est peut-être un peu plus costaud que l'autre encore, mais ça joue à pas grand chose. Si ce n'est qu'elle elle a du gaz par contre. Hein. Celle au poisson nageur était plus calme. Je veux dire, c'est une arc, mais non. Ah, si elle est plus grosse. Fait chier. Tu vas venir, oui. Comme quoi, une mauvaise couillère, ça fait toujours le boulot. Ouais. Poisson, un bon 35 là, on a. C'est sympa. Ah, raté, 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 raté. Moi c'est roi du prout. Hein. Ah, on a une belle. Elle m'a mis un beau stop. Comme les. Ah, décroché. 35 plus, comme les autres, comme la grosse que j'ai fait tout à l'heure. Ah merde. Il y en a des belles, hein. Une belle tirée.
en train de regarder ma canne, voir si ça prenait du fil. Donc tout à coup c'est parti. Ah, ça a fait un poisson correct encore une fois. J'ai fait 3 poissons corrects hier soir. Ligasse en tout cas. Pas me gêner sur mon autre canoleur qui me sert à rien que j'ai laissé là. Ouais. Ouais, poisson comme la taille des autres. Elles sont belles. En tout cas, ils ont du gaz, hein, ça commence à vendre cher. Bah, t'as fatigué ou pas? Elle est moins grosse même que certaines d'hier. Elle a du gaz. Très bien. Très bien. J'ai mis trop mal. Putain, t'as vu ça, dis? Tu peux te cacher là-dessous. Je sais pas si ma carte mémoire déconne pas un peu. Il me fait un beau poisson à la bombette. Plutôt qu'essayer de me battre avec le truc vu qu'elle a un peu avalé. Elle s'en débarrasse très bien. On va laisser l'hameçon. Piquer. Voilà, si je filme dans la petite flaque une truite. Elles font les faux folles. Je sais pas comment vous passez l'hiver là-dedans les filles. Mais en tout cas vous le passez. Allez, chaud de l'eau. Voilà là le ballon. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est déjà fait pour le passer des très gros poissons là-dedans? J'ai cru que je l'avais paumé. Et toi tu reviens là. Pas sur une cuillère de sitôt. Non. Poisson de 30. Ouais, je comprends pas ce qu'il y arrive. Elle va se barrer. On va lui aider. Voilà, barre-toi. Ouais.
Allez. Beau poissonnier, là-haut. Est jolie celle-là. Trente et quelques. Allez. Elle sort plus au fond, je pense, du coup. Ah oui, là c'est déjà plus sérieux. Non, non, c'est pas elle. Merde. Derrière. Oui, correct aussi. Sais pas si j'ai lâché la vie. C'est calibré, hein. Ouais. Ouais, piquer comme il faut, elle, par contre. Une balle au verron. Allez. Ne veut pas rester. Voilà, on arrive sur le deuxième. Voir ce que j'arrive à prendre ou à toucher, tout simplement. C'est déjà touché du poisson, ces fois c'est beau. Sachant que j'y crois plus dans l'après-midi à celui-là, au train de mouche ou à sauterelle s'il y en a. Si la des sauterelles sera pas faite, il y a beaucoup d'arcs. Quelques volpariaux aussi. Mais surtout une population d'arcs. Donc on va voir. J'aurai pas la touche, mais je pêchais la bombe de surface pour essayer de faire une arc-en-ciel et c'est chose faite. J'ai un petit démon.
Marrant comme elle tire que par à coup. Elle n'est pas contente, cette fille. Viens là. Elle n'est pas ébouffée, ces sauterelles qui avaient l'air si bonnes. C'est des démons, ces poissons, aujourd'hui. Hein, entre les fariots qui tiraient comme des folles et là, l'arc qui me plaît ici, il marque. Et ici, il sort la tête de l'eau. Mais magnifique, cet arc. Oh, pas dans les cailloux, pas dans les cailloux, j'ai trop lâché. Là, il y a du patard d'arc. Bel arc de lac de montagne, ils sont belles. Bon, défais-lui cet hameçon, au moins ça en sera fait. Et voilà, tout à l'heure je le voyais, il est juste dans le palais. Ah ben voilà, regarde. Se barre. C'est pas trop ce qui arrive. Elle est belle, hein? 30 et quelques aussi. Sur l'eau. Ah, je t'avais pas vu, ma grande. Ça, c'est pas mal. C'est pas la première fois, hein. Je fais ça exprès parce que je sais qu'elles y viennent. Imitation de bourdon. Dans les trucs et les arcs, ils sautent dessus. C'est la pêche en sèche, mais sans fouet, quoi. Ils sont quand même de qualité, ces arcs. Hein. Et cette photo. Oui, un petit bourdon dans la gueule. C'est un truc polonais que j'avais acheté une période. En tout cas, on a des chicots hein, pour une arc. Comment t'es piqué, tu devrais. Ah, tu me mords, tu me mords, tu me mords. La vilaine.